Alors, le tuto tracer un graphique avec la Casio. Tout se passe dans statistiques. Entrée. Donc, en liste 1, vous rentrez les concentrations. Donc, si votre liste est immense, vous l'effacez avant. Donc, dans les Casio, tout se passe avec le menu qui est là. Donc, Delete All, F1, je supprime toutes les listes. Ici, je me mets sur la 2, je supprime tout. Je confirme les F1. Donc, je vais rentrer les concentrations. Donc, 2 exposants moins 3. 4 exposants moins 3. 6 exposants moins 3. 8 exposants moins 3. Et le 10 moins 2, en réalité, c'est 10 exposants moins 3, c'est pareil. Comme ça, à la main, ça vous permet de faire une échelle sympathique. Ensuite, je rentre les conductivités que j'ai mesurées au labo. Donc 155. Flûte. Ensuite, il va falloir afficher ce graphique. Donc, graphe, vous voyez, c'est sous F1, on appuie sur F1. Je vais sélectionner le graphique 1 parce qu'il est on, les autres, ils sont off. Ok. Hop. Donc, exit. Donc, graphique 1. Alors, avant, il faut régler l'abscisse et l'ordonnée. Donc, c'est 7. Donc, je vais faire du linéaire, X, Y linéaire. En X, je vais mettre la liste 1. Donc, vous voyez, ce n'était pas la bonne. Donc, j'appuie sur liste. Il me donne de sélectionner le numéro. Il y a 26 listes possibles. Donc, moi, j'ai mis I. Les concentrations sur la liste 1. Exécute. La liste Y, c'est la numéro 2. Donc, je refais liste. Choisis la 2. Exécute. Fréquence, je mets 1. Couleur, je m'en fiche. Couleur du graphe, je m'en fiche. Exit. Et là, je trace. Mon graphique est là. Donc, il me demande de faire des calculs sur le graphique. Je dis oui. Donc, je suis bien en X. C'est du linéaire. C'est pas du parabolique, etc. Donc, je valide. De la forme AX plus B, parce que A plus BX, on n'est pas trop habitué. Donc, AX plus B. Et donc, il me sort les valeurs. Vous notez que si vous regardez le tuto texte, ça, ce sont les... Alors, maintenant, j'ai mesuré la conductivité du sérum Fi, dilué 20 fois, j'ai trouvé 889. Donc, comme je suis dans une équation qui est du type Y égale à X, le petit B est dérisoire, on le laisse, je dispose de Y, qui est la conductivité, donc si je divise par A le coiffe directeur, j'obtiens la concentration. Alors, vous n'allez pas vous amuser à renoter A. C'est une calculatrice, normalement, il l'a en mémoire. Donc, vous allez dans le menu calculer, habituel. Donc, mon sérum Fi, il avait 889 pour la conductivité. Je veux le diviser par le coef petit a de l'équation. Donc, c'est une variable. Donc, je vais dans var avec un S, ils ont mis parce qu'il y en a plusieurs. Je dis que moi, je veux une variable statistique qui est liée au graphique. Et que donc c'était petit a. Exécute. Et donc, il m'a trouvé la concentration. Comme j'ai dilué 20 fois le sérum Fi, je multiplie par 20. Et j'obtiens la concentration du sérum Fi. Donc, pour tracer le graphique, vous gardez ce tuto. Et ensuite, cette partie calcul, elle changera selon les chapitres.